Code créateur, paf, 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 code créateur, paf, 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 mes code créateurs. Yo les petits potes, c'est Lulu les gars, j'espère que vous êtes tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, une nouvelle vidéo très spéciale qui j'espère vous fera plaisir. Donc pour cette nouvelle vidéo les gars, je vais vous présenter la map que j'ai créée avec Toofiz. Voilà, donc ceux qui connaissent pas, bah tant pis hein. Du coup allez voir sa chaîne au pire, comme ça vous connaîtrez. Donc les gars, c'est une map très spéciale, une map que tu préfères, voilà. Donc spécial youtubeur. Voilà, donc j'ai voulu changer parce que la dernière fois j'avais fait déjà un tu préfères, mais tu préfères spécial. Bah, c'était un peu pour Hydra, mais c'était un peu pour The Kirik, tout. Hydra, The Kirik, Kenny, ça concernait les trois là. Voilà les gars, donc du coup, bah, on est parti, let's go. Donc déjà, on va attendre un truc, on va faire un truc. Déjà, go vous abonner et mettre la cloche. Je vous attends, je vous laisse quelques secondes. Ok, c'est bon, t'es abonné. Nice, c'est parti. Du coup, les gars, donc vu que t'es abonné, bah, ça veut dire que t'es le boss quoi, t'es le boss. Voilà, donc mon Twitter, mon Insta, du coup n'hésitez pas à aller vous follow, il y a le lien dans la description de follow et vous abonner. Code créateur UTV les gars, voilà, donc j'attends aussi que vous le mettiez. Non, j'ai go le mettre hein, les gars, c'est important. Donc les gars, tu préfères Michou ou Inoxtag? Voilà, moi je vais le faire, mais après, voilà, vous le ferez. Il y a le Toofiz, il y a l'Insta Toofiz aussi. Tu préfères Michou ou Inoxtag? Quoi, je préfère Michou, pourquoi? Parce que Michou, les gars, déjà, je regarde tout le temps tous ses lives, tout ça, tout ça, tout ça. C'est vraiment le boss. Bah en vrai lui aussi c'est le boss, je regarde, je fais exactement pareil avec lui. Hein. En vrai le choix est dur. Mais allez, on va dire tu... juste une excuse de merde parce qu'il a plus d'abonnés Michou. Voilà. Même si je kiffe Inox, hein, franchement. Mais on va dire Michou. Voilà. Donc tu préfères. Tu préfères Gotaga ou The Kirik? Donc moi les gars, faut savoir, Gotaga je regarde jamais. À part sa vidéo avec le bouseux sur Rocket League, c'est tout. C'est tout. Et après The Kirik. Après Gotaga, je regarde vraiment beaucoup quand il était sur Fortnite. Mais vu qu'il est plus. Voilà, c'est la merde un peu. Fortnite, on va pas se cacher, c'est un peu la merde en ce moment. Donc, du coup, moi je préfère The Kirik parce que je préfère ses vidéos déjà. Je kiffe ses vidéos avec Kenny, voilà, ses petits pranks, tout ça, tout ça. Beaucoup de trucs vraiment stylés qu'il fait, donc je kiffe. Ses lives aussi sur GTA, sur Fortnite maintenant. La reprise, c'est cool, j'espère qu'il va reprendre avec le bouseux. Donc, tu préfères Baisonka ou Thomas? Donc, les gars, Baisonka et Thomas, pour ceux qui connaissent pas, c'est des mecs qui font des vidéos sur les news de Fortnite. Déjà, n'hésitez pas à aller vous abonner à eux. C'est vraiment trop stylé ce qu'ils font. Voilà, donc toutes les news. Voilà, donc dès qu'il y a un nouveau skin qui va sortir, comme ça ils le savent. Qui voient dans les fichiers du jeu, tout ça, tout ça. Il y a des gens qui leur disent aussi, je pense. Voilà, donc il y a les trailers. Donc il y a tout, vraiment tout. S'il y a un nouvel événement, ils le savent. Ils vous disent tout dans leurs vidéos. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à eux deux. Moi je préfère quand même Thomas parce que Thomas, je regarde ses vidéos. Et bah, ils sont cas, je regarde pas trop. Voilà, mais ils font presque le même contenu. Je préfère Valouz ou Doc Jazzy. Donc moi les gars, je kiffe les deux. Déjà, je kiffe la team Compton. Après Valouz, c'est vrai que je regarde un peu plus. Enfin, je regarde ses lives. Doc, il live aussi, mais je regarde un peu moins. Même si je les regarde aussi. Hein. Je regarde les deux, vraiment. Sur toute la team Compton, je les suis à mort. Hein, tout le temps. Donc on va quand même dire Valouz, les gars, parce que on va dire je préfère un peu ses vidéos. Même si Doc, ses vidéos sont ouf. Voilà, la petite vidéo avec les voitures, d'ailleurs. Ceux qui n'ont pas vu, go aller la voir. Sur la chaîne Doc Jazzy. Avec une vidéo avec le bouseux, du coup. Voilà, donc en fait, il y avait Doc Jazzy. Bon, je vais pas vous dire en père. Allez voir. Juste, je vous dis, il y a une Porsche et une voiture de merde dedans. Et le bouseux, c'est trop stylé ce qui t'a fait la voiture de merde. Voilà. Donc, on va dire Valouz. Donc là, ici, c'est un petit endroit qui a été fait par Toofiz, les gars. Voilà, il a voulu vraiment le faire. Donc, c'est vraiment stylé. S'il y a des gens qui savent comment faire la cascade en arrondi, parce que ça fait un peu bizarre. On n'a pas réussi à faire mieux. Donc, go me dire, les gars. Donc, voilà, donc là, c'est ici. Donc, les gars, faut savoir qu'il y a un Death Run caché dans la map. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller, du coup, le faire, le trouver. Voilà les gars, donc ça, si vous le trouvez, bah dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. Puis voilà les gars. Donc ici les gars, donc ça c'est les barreaux qui ont été faits par Toofiz. Voilà, il a voulu aussi faire ça. Donc c'est vraiment pas des trucs qui sont déjà dans Fortnite, c'est vraiment lui qui l'a fait. Il a mis les bûches et après il a mis des petits bouts de bois à chaque fois. Voilà, donc ça a pris vraiment beaucoup de temps ça. Vraiment de ouf. Donc là il y a des failles, il rentrait pas dedans. Voilà, colle du TV. De toute façon regardez les gars, ah vous pouvez rien casser, vous pouvez pas vous mettre de coups de pioche entre vous, tout ça, sinon c'est de la merde. Tu préfères le bouseux de Jna, donc moi je préfère le contenu largement à le bouseux, enfin peut-être pas largement non plus, mais de Jna je kiffe aussi son contenu, mais voilà, on va dire que je préfère quand même le bouseux, même si de Jna la kiffe, trop stylé ce qu'elle fait, mais je préfère quand même le bouseux, voilà. Donc, tu préfères le fou bruiteur ou le royaliste? Moi je préfère le fou bruiteur parce que bah, déjà je préfère son contenu aussi, le royaliste je reviens jamais déjà.
Faudrait peut-être que je regarde d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si c'est bien ou pas. Clash of Fighters, pourquoi? Parce qu'il fait du contenu sur des petits lives épiques. Bon là il passe sur des petits youtubeurs, donc c'est vraiment cool, il donne une chance à des gens bah voilà qui ont galère peut-être ou quoi. Donc ok. Donc ça ferait vraiment plaisir les gars qui passeraient sur un de mes lives. Qui ferait de ouf. Juste pour ça je vais te dire le Fouetter. Tu préfères Kinstar ou Tixi? Donc les gars, faut savoir que Kinstar, avant je regardais tout le temps. Mais depuis qu'il y a eu le nouveau chapitre et tout, je le regarde plus parce que bah, ces vidéos j'ai l'impression qu'elles sont moins bien et tout. Tixi, je le regarde tout le temps parce qu'il live, je regarde ses lives souvent. Moins que la Team Crouton, mais je regarde, on va dire que je regarde des fois. Voilà. Je sais, kiffe aussi, il fait des petits PVP, tu sais, il fait gagner des trucs aussi, je crois. Donc voilà, donc je le kiffe. Ces vidéos sont cool, et Crouch aussi. Moi, Team Star aussi, mais voilà. Tu feras Squeezie Mixen. Donc les gars, il faut savoir que Mixen, je regarde pas. Bah, on me l'a conseillé, donc je vais aller voir ça. Squeezie, bah, je kiffe toutes ces vidéos avec McFly et Carlito. Les vidéos quand il ramène des trucs du Japon, les vidéos manuelles, les threads d'horreur, voilà, donc juste pour ça je vais dire Squeezie. Tu préfères McFly ou Carlito? Donc les gars, le choix est très dur, voilà, si je pourrais passer au milieu je le ferai. Mais je préfère, je peux pas choisir en fait. On va juste passer dans Carlito parce que... dans Carlito carrément. On va juste passer là parce que voilà, bah, il faut passer. Donc voilà les gars. Donc voilà les gars, c'est la fin, du coup ça s'est encore fait par Toofies, voilà. Ici je vous laisse découvrir ce qu'il y a, c'est pas le Death Run mais vous verrez il y a quoi. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, maximum de pouces bleus, d'abonnements, de commentaires. Voilà les gars, ça ferait plaisir. Vraiment de ouf. N'oubliez pas la petite cloche des notifs qui est très importante les gars. Activez bien toutes les notifs pour rater aucun live, aucune nouvelle vidéo. Je vais reprendre à mort les lives quand j'aurai vraiment beaucoup de coups. Donc, si j'ai la fibre et tout un jour, bah dans pas longtemps. Inch'Allah. Non, en vrai, dans pas longtemps, je l'aurai. Donc du coup, bah je ferai beaucoup plus de live. Et du coup, bah, ça sera plus d'abos, tout ça, tout ça. J'aurai beaucoup plus avec vous, du coup. Ça serait ouf. Bah, donc, les gars, comme je vous ai dit, maximum de pouces bleus. Voilà, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et moi, je vous laisse là, les gars. C'était Lulu. Ciao, ciao, les potes.